Tu peux dire que si ce fou avec qui tu t'amuses est censé être dans votre vie, si cette relation t'aide. Nous tolérons plus de relations qui nous enlèvent, qui volent notre paix, qui ravagent nos joies, qui nous tiennent debout, en disant « oh mon Dieu, j'ai du mal à croire qu'il va rompre. Rompre avec lui. Il ne t'aide pas. Elle n'aide pas. Oh, ils sont mon cargo, ils sont en vol, ils sont faux. Ils ne vous aident pas. Vous n'avez pas à attendre un mot de Dieu. Si les gens autour de toi te gardent collé à tes chaînes, ils ne t'aident pas. Si vous priez pour que Dieu enlève les symptômes des gens que vous fréquentez, ils ne t'aident pas. Et Dieu veut qu'à chaque relation dans votre vie, pour être l'un de vos objectifs, que la relation vous aide à réussir. Beaucoup de gens vous font sentir comme une relation avec les autres, surtout la relation avec le sexe opposé sont le diable. Ils ne sont pas le diable. Si nous comprenons le but des relations, nous ne le permettrons pas à cause des fissures qui lui a permis d'accéder à nos relations. Je veux que nous considérions ceci, que Dieu a conçu dans l'ordre pour le succès de nos relations.